Le socialisme peut être une idée neuve au XXe siècle, c'est le message que portait hier Ségolène Royal à Toulouse. Au cours de sa visite, elle a découvert la pépinière d'entreprise de la Bège. Les problèmes financiers ne doivent pas entraîner dans leur chute des petites et moyennes entreprises qui sont aujourd'hui très performantes. J'ai confirmation qu'il y a absolument besoin de créer un outil de financement contrôlé par l'État qui permettra aux PME innovantes d'obtenir très rapidement les crédits dont elles ont besoin. Au meeting à la veille du congrès de Reims, c'est Gérard Collomb, maire de Lyon, qui a défendu la motion E dont il est le premier signataire. Ségolène Royal a préféré analyser la situation actuelle en saisissant toutes les occasions d'épingler le gouvernement. Les Français réfléchissent. D'abord, ils regardent médusés des milliards qui apparaissent comme ça, miraculeusement, d'autres qui disparaissent. On a en face de nous un pouvoir cynique. Le discours est clair, le langage sobre, mais de la motion E, il ne sera même pas fait mention. Ce qui ne semble pas gêner les militants. Un vrai discours politique sur des problèmes quotidiens sans perdre des valeurs. J'espère une nouvelle secrétaire pour du changement. On lui a fait confiance au présidentiel, il faut continuer à lui faire confiance. Le 6 novembre, les militants devront choisir l'une des 6 motions avant l'élection du nouveau premier secrétaire du parti, le 20 novembre.